Et salut à toutes et à tous, c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour le Let's Play. On va tester la bêta ensemble, donc on est le 28, lundi 28 août, il est 21h et donc la bêta est ouverte depuis quelques heures. J'ai téléchargé, j'ai juste fait les réglages, on va dire basiques, juste pour l'écran. Donc voilà, et on est parti ensemble pour découvrir ça. Pour la petite info, j'ai testé donc la bêta il y a quelques jours à la Gamescom. Je pouvais pas enregistrer de gameplay. De toute façon, la bêta, vu qu'elle est disponible, ben, je vais faire ça maintenant et vous allez déjà voir mes premiers avis. Sachant que j'ai joué un petit peu au premier épisode, mais que vu que c'était sur console, je suis pas aficionados de ce genre de jeu sur console. Donc voilà. Et cette année, vu qu'il sort sur PC, je me suis dit bah ouais, que j'allais très certainement me lancer dans l'aventure et que je regardais un peu l'évolution de ce jeu. Donc voilà, je suis pas du tout un expert en Destiny, mais j'ai quelques petites notions, on va dire ça comme ça. Donc on a le choix entre trois classes, le Titan, donc voilà, c'est aussi bien quelque chose d'agressif et assez défensif, donc il peut jouer un peu les deux, ça me rappelle un petit peu le Paladin dans World of Warcraft. Ici on a le chasseur, bah, comme son nom l'indique, c'est beaucoup plus agile, donc c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus faible, mais va être un peu plus sneaky. C'est un mix entre le chasseur et le voleur, bien évidemment, dans tous les moments assez classiques. Et on a le warlock, qui est le démoniste. Donc le warlock, qui lui le mage, voilà, c'est assez classique. Pour un premier essai, on va plutôt jouer Titan, tiens. Voilà, on va jouer un truc un peu entre les deux, comme ça on évitera de se faire rétamer. Ah, je monte le volume vite fait, comme ça vous entendez bien tout. Hop. Ikora, if you tell me this is a practical joke, well, it kills me to say it, but I would be really impressed. Impressing you, Cade, is the easiest thing I'll do all day. Donc c'est la cinématique d'introduction this is my serious face. De la saga qui fait le lien entre le premier et le deuxième. What have you got? Someone or something has sabotaged the Skyline defense systems. And comms have been spotty for the last few hours. Every sensor beyond the wall has gone dark. Cinématique pour retrouver bien évidemment sur le net assez facilement. Elle a été annoncée, c'est ce qui annonçait d'ailleurs Destiny 2. Nothing. Well, that's good, right? No. I mean, they're not there. There are no satellites. And that's not good. Battle stations. Everyone with me, now! Donc voilà, c'est la cinématique d'introduction. Je vais juste rediminuer le volume. Désolé hein, pour toutes ces fenêtres, mais bon, on fait ça entre nous. Voilà. Hop, nickel. Donc voilà, encore une fois, c'est la cinématique qui fait le lien entre donc le premier épisode et le deuxième, puisque dans le premier, voilà, on a tout fini, et là, il fallait bien justifier le fait de recommencer à zéro. This is City Hawk 723.
Anyone home? No response on any channels, even the emergency frequencies. What is going on back there? Remember when I told you that you fly too fast? Forget I said that. Fly fast. Voilà, le protagoniste arrive une fois que l'attaque était bien entamée. Ok, on est parti. Donc voilà, je vous ai laissé un petit peu découvrir tout ça. Bien évidemment, il va y avoir le sentinel réglage. Des touches, comme ça on voit aussi un peu les menus. Donc menu assez classique, ça on va diminuer de ouf. Voilà, je vais même mettre à 3 ou 2, okay, parce que sinon ça va être le truc. Je vais juste vite fait faire le key mapping. Donc left, right, non, c'est move back. Hop, voilà, RC, bon alors ça devrait aller. Je pense que ce sera bon. Ok. Vidéo. Du coup, je vais mettre. Je vais laisser à 60 images par seconde, vu que c'est encore une bêta. Voilà, bon, vous voyez un peu tout ce qui est réglage, etc. On va laisser tel quel pour le moment. Le jeu n'est pas encore hyper optimisé, même si je pense qu'il y a eu. Enfin, il y a eu un patch de la part d'NVIDIA. Donc on commence, on est niveau 20. Et on a 200 lumens, c'est ça. Hein, je ne sais plus comment ça s'appelle ceci, mais vous mettrez bien dans les commentaires à ce propos-là. Donc on commence niveau 20. Comment est-ce que je peux sauvegarder? Donc voilà, ça c'est notre personnage. On a un équipement enfin légendaire. Donc pas dégueulasse du tout. Hein, c'est normal, on était pas trop dégueulasse au début. Hop. Voilà, ok, les touches c'est réglé, la 106 c'est beaucoup mieux. Hop, alors on est parti, donc c'est full solo bien évidemment, il n'y a pas de multijoueur à proprement parler pour le moment, même si c'est un MMORPG. Ah ok, donc c'est exactement la bêta de la Gamescom, hein. C'est le même niveau. Ok, hop, on est parti. Ah non, c'est un allié. Donc on a plusieurs pouvoirs. Normalement j'ai celui-ci. Voilà, qui me permet de faire un petit movie. Donc ils sont en bas à gauche de votre écran. Enfin de mon écran. Hein. Ici vous voyez avec le temps de rechargement. Normalement je sais qu'il y en avait deux. Il y a le V, ça c'est ce que j'ai utilisé. Le C. Ok, donc c'est un coup normal. Ok, Defender. Ok. Je vais juste regarder vite fait, désolé. Hein. Je vais regarder rapidement pour le key mapping. Emote, 1, 2, 3. Voilà, je suis en train de faire papier. En même temps, hein, voilà. Parce que bien évidemment, c'est un MMO, donc ça ne se. Je vais y arriver. Ça ne se met absolument pas en pause. Key mapping. Emote, 1, 2, 3. Ça, je m'en fous. Fire. Mêlée. Ça, c'est pour le zoom. Ouais, c'est sur Shift, mais. Ok, je vais le laisser comme ça. Class Ability, c'est ça, c'est VXE. C'est V, donc ça je savais déjà. Interagir, c'est E. Le Super, c'est F. Ok. Ok. Il n'y a rien sur Q, alors. Enfin, ça, c'est vraiment Light Attack. Ok. Reload, Melee. Et... bloquer, sauter, blablabla. Class Ability, donc c'est V et Interact. Ok, parce qu'on peut faire aussi des mouvements en l'air. Non, j'ai d'autres pouvoirs, hein, mais bien évidemment, c'est pas marrant, j'arrive pas à les utiliser. Ok, c'est pas par là?
Ah bah non, j'ai bien évidemment. Ok, le temps que. Hein, blablabla. Controls, mapping. On va vraiment y arriver. Hein. Feu. Ah, c'est ça, c'est bloc. Mêlée, ok. C'est la même touche. Ok, V, X. C'est dommage. Grenade. Je vais mettre sur G. Kinetic Weapon, Switch Weapon. Ouais, c'est vrai que j'ai plusieurs armes. Zoom, Boost. Ok, ça c'est pour les véhicules. Ok, le F. C'est le super. Voilà, ça, c'est la grosse attaque, la grenade. Ok. Donc ça veut dire que si je fais ça normalement. Ok, c'est la troisième attaque, c'est ce qu'il me semble. Ok, on va prendre nos armes. Ça c'est fait. Donc ouais, au niveau armes, ça c'est balle incendiaire, on a ici un pompe et ici une mitrailleuse. L'autre c'est on va dire c'est un automatique. On va tester un peu l'autre arme. Corps à corps, comme vous voyez, ça fait énormément de dégâts. Donc en fonction de l'endroit où je tire, bien évidemment, il y a des dommages différents. Pour le moment, le jeu est plutôt propre, c'est assez correct, sans être non plus ouf. Mais c'est plutôt propre. Après, je sais que c'est un jeu console, enfin optimisé console, donc on va pas trop leur en demander. On va lui jeter une grenade. Hop! Il n'a pas trop apprécié. Oula, 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 oula. Il va y avoir du monde. On se protège, hein. Ah ouais, d'accord, ça passe vraiment pas. Ça fait vraiment un mur, quoi. Je suis en train de me faire allumer. Donc oui, j'ai un espèce de jetpack, bien évidemment. Donc ça, c'est mon super pouvoir. Donc là, Captain America, qui est plutôt pas mal. Mais non, comme vous voyez, la barre, elle se recharge au fur et à mesure. Là, ça va s'arrêter, voilà. Ok. Donc de loin je fais aucun dégât mais avec cette arme. Et je me suis foiré bien évidemment. Enfin, je préfère cette arme là quand même. Oh putain, il y a des armes qui passent quand même. Mais j'ai du loup près de moi là. Putain, je suis en train de me faire mais défoncer. Voilà. Hop. Je commence à être un peu low là. Parce que ma barre de vie est tout au-dessus. Ok, elle remonte un petit peu. Ok, nickel. Donc oui, ça se soigne automatiquement. Hein. Il n'y a pas de... En tout cas ici, je sais que dans le jeu c'est un peu différent parce qu'il y a des classes qui ont de quoi faire. Hop. Ok, my ghost keeps tagging these cabal as Red Legion. Cora, what do you got? They're elite, ruthless, and rumor is they have never known defeat. Until today. Today they face guardians. But Zavala, they're attacking the Traveler. The Traveler waits. We protect our people. At any cost.
Traveler. What is that thing they're attaching to it? Alors ici on va devoir juste défendre ici. Alors je me souviens que comme un con. Okay. Ça c'est un autre joueur évidemment. Je pensais qu'il y avait que du. Que des trucs. Que des. Okay. Supercharge. Ah ouais. Ah ouais d'accord ouais. Ça c'était la bonne idée du jour ça. La bonne idée du jeu. Ok, il y a 3 assauts. Il faut que je survive à 3 assauts. Et c'était pas des petits assauts. Ok, on va se faire plaisir. C'est le moment de sortir la puissance de Captain America. Par contre, ouais, si je. C'est pas évident à manier au clavier souris sur cette fois-ci. Surprise, voilà. Ah j'ai plus de balles. Hop, pourtant j'aime beaucoup cette arme. Hop. Par contre il manque toujours une touche, c'est le F, le X, le C, mais je pense pas que ce soit ça. Non je pense que j'ai un boubou, enfin l'autre boubou là. Faut bien arriver. Donc là on est à 2 vagues sur 3, donc ça s'était calmé pendant un moment. Ah, c'est chiant parce que l'arme que j'aimais bien n'a plus de balles. Donc ça se loot direct hein, les trucs bien évidemment. Ok on va quand même se réfugier un petit peu, on va la jouer safe. La grenade qui met quand même un peu de temps à chercher à mon goût mais bon. Là, ils sont obligés de contourner. Hop. Ok. Je pense que mon compagnon fortune lui avait déjà fait les vagues, donc il a pu partir à la suite. Ok, ils sont bien paqués. Donc je disais, il faut savoir qu'à la Gamescom, ici, je suis resté longtemps. J'avais pas vu qu'il y avait... 2 vagues sur 3, donc du coup les vagues faisaient que pop à l'infini et moi je restais comme un âne de mes vagues. Alors, j'ai sûrement pas du mal à repérer ma touche, voilà. Oula, ça s'approche dangereusement. Ah, j'ai récupéré quelques balles. Ouais. J'ai déjà plus de balles. Bon, je vais arrêter de faire le malin. Ok, c'est bon. Hop, je suis un peu cramé. Bon, c'était. C'est pas par ici? Est-ce que je suis en train de faire du cake? Très certainement. Pour pas changer. Je vais quand même me les faire là. Hein. Hop, pour être tranquille. Ok, normalement je sais quoi. Ça c'était tout droit par là, mais en dessous. Ok. Ok. Voilà, voilà, c'est ça. Donc il y a la minimap en haut à gauche hein, qui permet de se repérer. Et normalement j'ai des. Il y a du renfort à l'intérieur. Voilà. Comment est-ce que je rentre là-dedans? Ok, nickel, on ouvre la porte, c'est toujours mieux. Voilà. Oui, je vais te vous montrer, là c'est le...
Ou elle saute sur le véhicule ou elle se... Oulala. Non, ce que je joue, faut y repartir. Les effets de lumière sont vraiment jolis. Alors si je tire dans son truc derrière, voilà, il est en train de se cramer tout seul. Donc ça c'est le truc qui est assez chouette dans le jeu, c'est qu'en fonction de l'endroit où je tire, ça a des dégâts localisés. Si par exemple ils prennent des tirs à la tête, ils prennent beaucoup plus qu'il est. Ce sont les tirs jaunes, c'est aussi les tirs critiques. Si je tire dans les pieds, fatalement, ils prennent beaucoup moins de dégâts. Voilà. Hop. Après, c'est une intro, les ennemis sont très simples. Ils se laissent faire. Je sais que c'est un jeu qui monte en difficulté au fur et à mesure. Ça, en tout cas, pour le premier épisode, c'était assez réussi. Ok, on va en finir. Il y a un boss, donc voilà, voilà, avec le super pouvoir, c'est juste la fête. En tout cas, ouais, prologue assez sympathique, ça met bien dans l'ambiance. Zavala, picked up that guardian you never showed up about. Get them on that command ship now. Hold on back there! Ok, donc du coup je rediminue. Voilà. Sur 9, nickel. Donc j'essaie de vous laisser les cinématiques, hein, même si je sais que voilà, encore une fois, les vidéos sont disponibles sur internet, sur YouTube, mais bon, voilà, moi vous avez le tout. Désolé pour ceux que ça emmerde. Oh, je suis tombé. Ce qui est fort regardable. Je pense que si je passe là-dedans, je meurs. Ok, double saut. Okay, on n'a rien vu, on n'a rien dit. Donc ouais, si je fais un saut simple, et puis si je fais un double, j'ai le jetpack qui s'active, et je retombe petit à petit. Hop. Ces décors-là sont pas destructibles. Et voilà, plus de tête. D'autres problèmes que je me souvienne. Bon, ça, bon, c'est juste là en fait, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah non, c'est ça. Désolé, hein, je suis un peu autiste. Ok. Ok, donc le petit espèce de robot que vous voyez là, c'est le protecteur du gardien. Donc on est les seuls à en avoir, enfin il y a très peu de gens qui en ont. Et c'est vraiment ce qui fait la différence, ce qui nous permet de rester en vie, de nous ressusciter en cas de mort, etc., etc. Donc c'est un peu notre compagnon. Hein. Donc il fuit, c'est pour essayer de rejoindre ses potes je pense. Ah ouais, lui c'est beaucoup plus vénère. Du coup, bah, on n'a pas trop traînassé avec, voilà. C'est quoi mon ami?
sais que si je tire là-dedans, normalement... C'est cher parce que j'ai soi-disant le... Ou alors c'est vraiment le bouclier, mais... Il a pas se protéger quand même. C'est vrai que je trouve la touche de ce fameux bouboulet. Ah mais non, je suis con, c'est mon super pouvoir tout simplement. Du coup la barre est pas chargée donc je peux pas l'utiliser. Ah ouais, là ça va être... Eux aussi ils vont utiliser un petit peu... C'est de se faire les snipes qui sont là-bas au-dessus. Voilà. Lui, il a pas beaucoup de PV. Ça, c'est fait. Moi non plus, j'ai pas beaucoup de PV. Ah, le voilà. Le voilà, le bougre. J'essaie de monter mes pouvoirs quand même. Ok. Plutôt mal. On va passer sur le côté. On va essayer de la surprendre un petit peu. On va finir les oiseaux là à côté. Ça me permettra de lui faire un petit finish à coup d'ult. J'espère. Ouais. Oula. Un petit snipe là-bas au bout. Ouais, là il a pas déconné. Ok, super chargé. On attend qu'il ait fini son spectacle et on va se le... Attends, on va se le finir maintenant même. Voilà. Ah bah là il n'y a pas de négociation possible. On one shot un peu tout le monde, hein, évidemment. Ça c'est du 2 en 1. Ah même pas, il a survécu. Ah le bougre, est-ce qu'il y en a un qui snipe encore là? Non, même pas. Ok, il snipe de là-bas au bout. Ok. Il se cache hein. Oula. Ils apprécient beaucoup moins. Ok, on y aller à coup de pompe, tiens. Voilà. On y va en mode bourrin, ça fait toujours plaisir. Et là, je pense qu'il fallait sauter normalement. C'est non. Et là. Hop. Excusez-moi, monsieur. Ah ouais. Eh ben, vous savez quoi? Est-ce que vous aimez bien vous coller les uns aux autres? Eh ben, vous m'en direz des nouvelles. Ça vient de me sauver la vie et pas vraiment.
Je vais vite faire regarder là. Open settings, key mapping, emote, fire, ok, melee, toggle, reload, light attack, heavy attack, ok. Bloquer, sauter. Ah, l'habilité de classe c'est V. Ce que j'ai fait, X, air move, interagir, grenade. Le super CF, kinetic weapon, 1, 2, 3, c'est ça. Switch weapon, ok, bon, pas vraiment. On va respawn. Ah, parce que le V là, c'est ça, c'est le boubou. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous savez comment activer cette dernière fonctionnalité. Ah, j'ai pas eu de tuto où on m'a dit appuie d'abord sur ça puis sur ça. On va quand même y aller à coup de. Il y a quand même pas mal de recul hein, sur cette arme. Voilà. On va prendre. Dis donc. Ça va pas non. Ok. Donc on doit casser ça. Ok. Si je saute là, je pense que je vais mourir. Ok. Est-ce que je peux aller là-dedans? Ok. Ah ouais. Non, 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 non. Ouais, c'était pas le bon plan, il me semblait bien. Donc. Et voilà. Voilà. Ok. Hop, petite coupe de cheveux. Hop. Voilà. Oulala. Voilà. Oh ouais. Peut-être pas le bon plan de sauter maintenant. Ok. Ça sent la grosse carotte quand même. Hein. On est venu de là, je pense, hein. Pas du haut. Qu'est-ce que je suis en train de faire comme quelqu'un? Alors, en fait, je suis en train de faire de la merde. C'est pas spécialement évident parce que j'ai l'air d'un Goliot à sauter comme ça, mais vraiment, j'essaie de. Voilà. C'est pas spécialement évident. Ok. How do we come back from this? You don't. Welcome to a world without light. Deserve the power you were given. I am Gaul. And your light
Donc voilà sur quoi vous allez commencer Destiny 2. Donc ouais, plutôt pas mal bah, comme prologue. Hein. Voilà, c'est vraiment histoire de se mettre en condition. Du coup, hop. Player versus player. Quick play, ok, ça c'est pour... ok. Donc ok, ça c'est du PVP. Ça c'est un mode PVE, donc un donjon entre une et trois personnes, de 1 à 3 personnes. C'est un matchmaking, donc ça se fait automatiquement. C'est quelque chose qu'ils ont ajouté le matchmaking parce que ça n'existait pas sur les anciens. Vous étiez obligé de vous grouper les uns les autres. Et ça c'était une chose qui était fort demandée. Le roster, bah ça c'est mes amis, voilà, tout simplement, et ceux qui joueraient éventuellement. Hop, et voilà, on peut lancer ça. Donc je vais vous laisser déjà sur ça, sur le petit prologue qui nous a mis en condition, et puis on se retrouve bientôt bah, pour la suite des aventures, voir est-ce que je vais enfin trouver toutes mes touches, est-ce que je vais enfin kiffer. Peut-être que je jouerai avec d'autres héros, je testerai un petit peu d'autres, pas sur le prologue bien évidemment, pas vous proposer exactement le même contenu, mais voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut !